step forward, my dear Daniel Fissinger is the vastly experienced Francis Baliang for Kuton Sport of Garoua. And you can see the antics from goalkeeper Dauda Ibrahima on goal in goal this evening for Fofo Bahama as Francis Pierre Baliang walks forward to take the first kick for Kuton Sport of Garoua. He too gets advice from referee Ngoa Blaise. He takes his time. He needs to show nerves of steel here, my dear Francis Pierre Baliang. Never easy to come up the first man, but he has stepped up to show his wealth of experience and to show that he is a great man. Francis Baliang takes his time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 steps behind. Goes by the corner. Baliang Francis comes forward gently. Referee has given the blast of the whistle. Baliang Francis, and he scores. 1 for Kotong, nothing for Fogou. Fils Daniel Injek. Ça ne fait que commencer cette phase. On ne voudrait pas se retrouver dans ce Cameroun Côte d'Ivoire. Mais c'est pour le moment, nous ne sommes qu'au début de cette phase-là. Nous ne sommes qu'au début de cette phase-là. Stepping forward for the first man for Fofo Bahama is Moussa Kalamu. Vastly experienced player, former player of Kuton Sport of Garoua, France. Moussa Kalamu, est-ce qu'il va trembler devant notre ami Moussa Kalamu et ses frères semblent lui le rappeler. Est-ce qu'il va trembler devant Agnès de Ricofou? La formation de Kuton Sport de Garoua qui a cette légère avance. Un tir et un but. You can see Moussa Kalamu. Hassan Bile Obama giving a hand of appreciation there to Baliang Francis. Now we have Moussa Kalamu behind the ball for Fofo Bahama. And yeah, Derek does the antics on the line. Kalamu looks a calm man. On n'a pas envie d'être à sa place. On n'a pas envie d'être à la place de Moussa Kalamu. Moussa Kalamu. Sur ce ballon. Moussa Kalamu. He steps forward and he scores. He wrong foot goalkeeper Anya Derrick to make it 1-1 in this one. It's 1 for Kuton Sport, 1 for Fofo. Up for Kuton Sport is Maru Swaibu, who is the second man to do this dreaded exercise here today, Fils Daniel Injek. Il a tout donné. We never like this. Il a tout donné cet après-midi, notre ami. Et ce sont les internautes qui le rappelaient tout à l'heure. Notre ami Swaibu, est-ce qu'il va trembler devant son ancien coéquipier? Rappelons qu'ils ont été coéquipiers dans Kuton Sport de Garoua, notre ami Baléry Ibrahima Daouda. Et il va s'avancer, notre ami. Est-ce qu'il va trembler cet après-midi devant? Il va prendre ses marques. Le gardien qui reste sur ses deux jambes. Swaibu has missed here. Tirat. Caught by Ibrahima Daouda. He tells his teammates to calm down. They are not there yet. It's just a save, not the winning one yet. As stepping forward for Fofo Bahama is Alain Eyenga, a man who has given over everything in the tank of the Fils Daniel Injek. Abu was saying that he has given a lot. He has progressed a lot. Has he also progressed in this exercise? As you can see. Le fils du quartier Mélène, le fils d'Okola, a une famille Eyenga de ce côté à qui je salue s'ils sont connectés. On va penser à Bobby. Un ancien du lycée de Tinga des années 2002, 2003, 2004, 2005. Qui est bien dit. Allez, Yenga, est-ce qu'il tremblera? Le fils du Monté du Parc. Du côté du Monté du Parc, on sait qu'ils sont nombreux qui ont fait le déplacement cet après-midi pour suivre ce match. Il a l'occasion de donner l'avantage à la formation de Fofo Club de Bahama. Est-ce qu'il va trembler devant Agnès de Ruc? Il prend ses marques, Alain Yenga. Il va s'avancer. Contre-pied parfait. With panache, we must point out. He scores at one with panache. He shows all his class. That shows that he has not only progressed as a defender, he has also progressed in this exercise, which is very feared here. Stepping forward for Kuton Sport of Garoua is a man who is supposed to be one of the most tired players here today because he has run all over the pitch today. I'm talking about Hassana Mamadou Abo, who is going to be Kuton Sport's third man on this very dreaded exercise. Which match? Et c'est l'occasion pour moi de faire un clin d'œil aux aînés comme Tabi Clarkson. Aujourd'hui du côté de Camdis TV qui peut-être qu'à l'écoute. On se rappelle en 2010 lorsqu'il commentait la Coupe du Monde à partir de quelque part. On a beaucoup appris de ces épopées-là. On va suivre
Le troisième tireur côté Cotonou de Garoua, alors que tout à l'heure, notre ami Swahibou a manqué. Et c'est l'international A' qui va se charger de botter ce ballon à Sana Mamoudou. Tirez marque. He narrowly missed there because goalkeeper Ibrahim Daouda got a hand on that one, but maybe the pace on the ball beat him, and so it's two for Cotonou and two for Boubou. But Cotonou have taken three shots. Le troisième tireur côté. Steps forward. That is the man who has been also very good yet. That is Moafo. Chandelain Joyce Moafo, midfielder of Football Baham. He is the man to take their third shot. He too has had a great game this afternoon in midfield. Joyce Moafo, est-ce qu'il tremblera devant Agnès-Éric Flou? On va suivre ce duel qui, en perspective, qui s'annonce dans ce troisième tir côté pour vous. De Bamila, l'occasion de venir à nouveau. Of Cotonou Sport Garoua indicating to the goalkeeper that he should go right rather left, because that is where Moafo is likely going to kick. We saw Evan Gomo showing, we saw Asana showing that go left. Will he go left? And with Moafo go left, Moafo goes right with the right arm to make it 3-on-3 for Fovu of Baham. 3 tirs côté Fovu, 3 buts, 3 tirs côté Coton, 2 buts. Est-ce qu'il faut remonter la pente? Il faut revenir à Félix Oukiné, le capitaine. Félix Oukiné, a man who also has had a great game here today, a wonderful servant of Cotonou of Garoua. He was captain until Daouda came in and he gave him the captaincy armband. He now steps forward for Cotonou's fourth kick in this shootout. Cotonou have scored two times, not very convincing with the shot from Hassana, but then can Oukiné show nerves of steel? He is the man now behind the ball for the team from the banks of the River Benue in the north capital of Garoua. Oukiné Félix, he goes back 1, 2, 3, 4, 5, 6 steps, and referee gives the blast of the whistle. He takes his time, he comes forward. Oukiné, and he scores with class. He shows all his class as he puts the ball on the roof of the net. Our goalkeeper Ibrahim Daouda. On va suivre le quatrième tireur côté Fovu Club de Baham, le Rocher Gabi Sacré. Domou, who came on from the bench, shows that he is one who was prepared. La solution viendra de ce banc de touche, notre ami. Qui est hué. Gabin Dombou Kwonge. He was brought in, it shows for only this side because he was on the bench. I was brought in the last 5 minutes. Maybe the coach Nanka knew that he is a specialist of this exercise as he steps forward for Fovu's fourth kick in this shootout here. On va suivre avec beaucoup d'intérêt notre ami Dombou qui a l'occasion de redonner l'avantage à la formation de Fovu Club de Baham, alors que de ce côté, tout le monde le touche en prière. Tout le monde le touche en prière. They are praying, they are calling on God to help them out. Dombou! Despite the prayers, very tired, I must say. This is a legend. It lacked power. Very polytechnic, and Agnès-Éric is a hero as he has saved one. Behold, Camille Daouda, comme un espoir. Camille Daouda, can he score? He represents a whole institution of Cotonou Garoua. He should not let them down. They are expecting to score as he moves forward with their fifth shot. Ça ne se joue pas que sur le terrain, ça se joue aussi dans les gradins. On a vu la concentration de part et d'autre. On a vu les socios professeurs de Cotonou. The players are still going on that far side. We hope our cameraman can just go there for a glance to see what they are doing there. The Fovu technical bench. They are praying. We can hear them from here as Camilou is going now. Est-ce qu'on peut avoir un retournement de situation? On va suivre Camilou Daouda, le vétéran de cette équipe de Cotonou Sport de Garoua, qui va s'avancer. He scores with the stroke of luck because Cotonou had his hands on that one and the ball came off the crossbar. That was a narrow one from Daouda Camilou. But then, behold, he should not have marque, on continue. Sirat, c'est terminé. Daouda, if anyone could miss, not him. Et la prière du côté de Fovu Club de Baham, parce que la situation s'est retournée. Est-ce que nos amis de Garoua, est-ce que nos amis de Poum Poumré
bravo. Eric Patton. S'unir à Pierre. Et man, on a immense pressure. Ah, notre ami Pafon. Eric Pafon. Mette ce ballon de côté cet après-midi. Et man, on a immense pressure. Tout un espoir entre ses jambes. Il a l'occasion de prolonger le suspense, Mwambo Lianga. Il a l'occasion de prolonger le suspense. Agnès Derrick aussi sa partie à jouer. Sa partie sur à jouer dans cette rencontre. Pafon steps forward, my dear Fitanier Linjet. Eric Pafon, he goes forward. He kicks and he scores. He scores and maintenant, c'est ce qu'on appelle. Maintenant, c'est ce qu'on appelle. Voilà. Mort subite. La mort subite. Tu marques. Quand on se pauvre Gawa, is Arsène Bile Obama, who is the man now to kick the first. On est dans un buisson maintenant. For Coton Sport Garoua. Coton Sport de Garoua, Arsène Bile, qui connaît bien les coins et les recoins de ce stade pour avoir évolué dans plusieurs clubs dans la région du centre. Parmi lesquels, le Tonnerre Kara Club de Yaoundé. Arsène Bile Obama. Est-ce qu'il va trembler Arsène Bile alors que le secrétaire général de l'autre côté s'est mis en prière? Il est dans le palais en langue. Et les initiés comprennent. There is no better time to go than now for Baham. Arsène Bile Obama comes forward and he scores with force. He gave no chance there for goalkeeper Ibrahima Daouda. He showed that he wanted it and he got it. It's Coton Sport who again have their noses again in front of Fizanier Linger. On avait toute la détermination. Ah, il va s'avancer. Oh. Franklin Elanambi. Allez, le public s'amène. Le public s'amène. Le public s'amène. Former captain of Brasserie Bafoussam, Franklin Enombi. Franklin Enombi. Of course, his name says that he is from the southwest of Cameroon. And of course, he is from Manu Division of Cameroon. Francis, rather Franklin Enombi, the man to take the shot now for. Très expérimenté du championnat camerounais. If he misses, it is ended here. And s'il rate, c'est terminé. S'il rate, c'est terminé. S'il marque, l'aventure se poursuit. Le suspense continue. Ça jubile. Ça danse. Des rappels, ça bouge. Il très bien le penalty. On va suivre avec beaucoup d'intérêt. C'est terminé. It's ended. C'est terminé. C'est terminé. The ball crashed. C'est terminé. It's terminé. It's terminé. It's terminé. It's He kept up the goal post. Coton Sport de Gawa croisera la pêcheuse de fou dans ce septième tir. Ah mon Dieu, il va se mordre les doigts. Et on avait bien dit malgré l'infériorité numérique, Coton Sport a poussé jusqu'au bout. Ils ont résisté. Poussé ils ont résisté. Minutes. Ils ont poussé, ils ont cru. Dans cette facilité, le tir au but après, le premier tir manqué. Eh mon Dieu, il aura cela entre eux. Et il va penser cela parce que notre ami Flanquin est là. Et le but, peut-être salut sur lui. Que la malchance s'est reposée cet après-midi. Franklin Elan Enombi missed as well as Gabin Dombou for Vobam. The miss from Maru Swahibu for Coton Sport was inconsequential as they have now qualified to play in the finals and fight for a 16th league title against Apejes Anfou. Maybe on Sunday, maybe on Wednesday, we'll be there for you. Vous ne faites pas bien de le dire, ce fut une grosse collaboration cet après-midi dans cette cabine de fortune qu'on s'est constituée. Et à vous, Mwambo Lianga.